La cita es con Philippe Huger, experto en el arte del pop-up y libros animados, quien fue invitado por la Alianza Francesa de Bogotá a realizar una gira por la red de alianzas en Colombia en el año 2018. Bonjour Sandra, je suis un artiste du papier, je m'appelle Philippe Huger, je fais beaucoup de livres, toujours en volume. Ça va? Voilà. Et encore, il n'y a pas tous les livres. Depuis que je suis venu vous voir, j'ai fait d'autres nouveaux livres. Voilà. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais des livres. Je fais des livres d'images surtout, mais maintenant avec du texte. Dans la vie, l'année dernière, par exemple, depuis la Colombie, j'ai fait 4 livres. Je vais me tourner. Voilà. Par exemple, j'ai fait un livre qui n'était pas là, qui est l'équivalent de la princesse. Voilà. Hop, un livre comme ça. Je fais des livres comme ça. J'ai fait un livre sur les voitures aussi l'année dernière. Sur les voitures. Je sais que les Colombiens, ils aiment bien les voitures aussi. Il y a des voitures de course, il y a un petit peu de tout, plein de voitures différentes. Des voitures écologiques aussi. Voilà, j'ai fait un livre avec une autre artiste aussi l'année dernière. Donc mon travail, c'est de faire des livres. Hein. C'est ça, dans ma vie, je fais que ça. Des livres et des pièces de papier. Alors, c'est une autre artiste, mais pas moi. Attends, j'oriente un peu la caméra. Voilà. Et voilà, c'est toujours du pop-up. Toujours, toujours. C'est, moi, je fais le pop-up et après, je travaille avec d'autres gens. Voilà. Donc, je m'amuse bien. Voilà ce que je fais dans la vie. C'est sculpter du papier, travailler avec des gens. Et puis, je fais aussi des livres d'artistes. Voilà. Et l'année dernière, j'en ai fait un gros. Voilà, je vous montrerai tout à l'heure. Si vous voulez. Qu'est-ce qui t'a amené à l'art du pop-up et du livre animé? Alors, c'est surtout, en fait, avant de faire du pop-up, je faisais toujours des livres. Ça, j'ai toujours fait des livres depuis 30 ans. Okay. Mais des livres où il n'y avait pas de pop-up, des livres plats, mais des livres d'artistes, ce qu'on appelle des livres que je faisais à la main, découpés à la main, pliés à la main, imprimés à la main, à des petites quantités. C'est une chose que je fais toujours, mais j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait plus de 200 à 100 exemplaires chacun. Donc, c'est beaucoup de travail et beaucoup de travail de pliage, de découpage. Donc, quand on sait faire 100 livres comme ça à la main, on sait faire du pop-up. Et donc, c'est le pop-up, c'est ce qu'on appelle en français, très difficile à traduire, je ne sais pas, le façonnage, la reliure, qui m'a amené, en fait, tu fais un livre à la main et tu n'as plus qu'à faire une pièce à la main dedans. Donc, c'est le façonnage qui m'a amené à faire du pop-up. Et je continue à faire des livres d'artistes. Donc, je fais deux choses. Je fais des livres pour les librairies, hein, voilà. Et puis, je fais des livres d'artistes un peu différents que j'imprime, qui ne sont pas très différents, mais qui sont découpés à la main, imprimés à la main. Et c'est vraiment ces livres-là qui m'ont amené, c'est bien, c'est dans tous les sens, et qui m'ont amené à faire du pop-up. Voilà, et maintenant, je ne fais plus que du pop-up. Dis-nous, toi, de tes artistes préférés. C'est une très bonne question. J'ai choisi 3 tchèques, 3 artistes tchèques. Parce que si je fais des livres, c'est parce que je collectionne les livres. Hein, derrière toi, je vois que tu collectionnes les disques. C'est pas, je crois que c'est ton mari et toi, vous collectionnez des disques vinyles. Moi aussi, j'aime bien les disques vinyles, mais j'aime beaucoup les livres tout court, même plat. Et j'ai sélectionné 3 artistes tchèques du pop-up, des vieux, parce que les trucs modernes, c'est moi qui fais les trucs modernes. Okay? Donc, ce qui m'inspire, c'est les vieux tchèques. Alors, ça, c'est un tchèque. Le premier tchèque, c'est M. Kubasta. Voilà. Monsieur Kubasta, Wojtek Kubasta, 1960-50. Il faisait déjà des robots, on peut voir ce qu'il faisait, du pop-up. Il faisait déjà des choses. Ça, c'est quelque chose que je montre souvent. Voilà, parce que ça m'inspire beaucoup. Il dessine et il découpe. C'est ma plus grosse influence, Monsieur Kubasta. Ensuite, un autre tchèque, juste un peu après, Rudolf Lukeš. Que j'aime beaucoup, un peu plus moderne, où le dessin et le pop-up se mélangent très bien. J'aime beaucoup celle-là. Je fais pratiquement les mêmes choses sans le savoir. Ici, c'est très élégant, très simple. Et le dessin est très important dans le pop-up. C'est aussi un de mes artistes préférés. Et c'est un tchèque, mais plutôt années 70. Et ensuite, toujours vivante, une autre tchèque, Květa Pakoška. Qui est chez le même éditeur que moi maintenant et qui a fait par exemple
donc un excellent alphabet, très artistique, très simple. Donc c'est tout à fait mes sources d'influence. C'est les vieux tchèques, et elle est vieille parce qu'elle a fêté ses 90 ans, je crois, il faudrait confirmer. Voilà. Et elle fait du pop-up, mais très simple et très artistique. Keta Pakoshka, et qui est toujours vivante, voilà, avec qui j'ai la chance de signer de temps en temps. Donc, je peux même quelquefois voir mes références. Voilà, c'est trois tchèques. Mais j'aime beaucoup de monde, beaucoup de livres différents. Voilà, c'est même la particularité, c'est que j'ai collectionné beaucoup de livres. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué lors de ton passage en Colombie? Alors, le Diana m'a emmené au Cerro de la Guadalupe, là-haut, en haut de la montagne, avec la Vierge de la Guadalupe. Je ne sais pas si je prononce bien, hein, je ne sais pas. Si voilà, je croyais que c'était Montserrat, mais en fait, c'est non, le Cerro de Guadalupe. Hein. Et c'était très beau, c'était très agréable. Le parc, de l'autre côté, j'ai vu des colibris. C'était la première fois que je voyais des colibris en Colombie, dans ma vie. Je n'ai jamais vu de colibris. Et j'aime bien les colibris. Peut-être tu ne le vois pas, mais il y a toujours des fleurs et des oiseaux, et voilà. Donc j'ai vu des colibris là-haut, j'ai vu plein de choses, et donc ce que j'ai beaucoup aimé, c'était cette visite avec Diana, avec Sandra, avec Morgiane, c'était les gens, et c'était cet endroit magnifique, voilà. Et le rhum colombien, parce que j'ai ramené du rhum colombien. Oui, tout à fait. Voilà. Mais j'ai raté, mon regret, c'est, alors ça va être ma parole de revoir, j'ai raté une parure d'Indien qui vendait quelque chose, un très beau collier sur le trottoir, et Diana m'a dit non, non, il faut aller vite, et c'est dommage parce que j'ai jamais revu ça, c'était très beau avec des plumes, c'était magnifique, mais bon, je reviendrai en Colombie, j'espère. Donc oui, j'arrive à avoir toujours des nouvelles comme ça, je suis très heureux d'avoir encore des nouvelles. Voilà, parce que finalement, ce qui est très important, c'est les gens aussi, en Colombie, bien sûr. Tout à fait. Voilà. Au revoir, Sandra. Je fais comme ça. Au revoir, Sandra. Et j'espère revenir vous voir.